52e jour de ma quête pour trouver le Wandwich, et aujourd'hui c'est pour les amateurs de cuisine américaine parce qu'on fait un Philly cheesesteak aux 3 fromages. On commence par ciseler un oignon que l'on réserve pour plus tard. Ensuite, on va venir ciseler du persil frais bien finement ainsi qu'une gousse d'ail bien finement aussi. On les réserve et on prépare une mayo maison avec un jaune d'œuf, du vinaigre, de la moutarde, du sel et du poivre, et on la fait monter progressivement en ajoutant de l'huile, puis on mélange nos éléments ciselés à la mayo avant de la réserver au frais. On passe à la viande avec un beau morceau de bœuf du boucher que l'on va détailler en lamelles assez fines. C'est important de couper en biais afin de bien casser la fibre de la viande. On l'assaisonne avec du sel et on la réserve. Enfin, on va râper 3 fromages, du cheddar, de l'emmental et de la mimolette, et on passe aux cuissons. On fait revenir nos oignons à la casserole avec du beurre. Une fois qu'ils sont colorés, on déglace avec de l'eau, on les réserve et on passe à la cuisson de la viande. On fait ça dans une poêle bien chaude avec un peu d'huile. Quand la viande est presque cuite, on ajoute nos oignons. Enfin, on ajoute le fromage, on couvre et on peut passer à l'étape finale. On prend une baguette tradition du boulanger, on la coupe en deux mais pas entièrement, on étale notre mayo à l'ail et au persil sur les deux côtés, puis on dispose notre mélange de viande, d'oignons et de fromage. On referme et c'est prêt. Franchement, c'était vraiment bon, comme quoi les Américains ont pas que des mauvaises idées. La prime est fixée en fonction des interactions de la vidéo, alors oublie pas de liker, de commenter et surtout pas de t'abonner parce que c'était que le...